qu'une seule manière de m'assurer que ce n'est pas un leurre. Petite Madeleine, c'est bien ça, petite Madeleine. Bon, vous le savez, j'ai une revanche à prendre. Je crois que je me suis donné les moyens ce coup-ci. Par pitié, faites qu'ils me trouvent pas en premier. Maxime ? Quand même que je vérifie. Coucou Anthony. C'est le mot l'air authentique. Je pense que c'était un vrai distributeur, mais j'aimerais quand même revérifier. Je crois que j'ai accès au volume de la borne arcade à tout moment. Je peux la mettre très fort. Je suis pas sûr que ça saute aux yeux, le fait que ça soit pas vraiment une vraie canalisation d'air. Et puis c'est Yvan qui cherche. Yvan en termes d'expertise technologique. Et Madeleine là. C'est bon, et Madeleine, j'aime bien. Ah, mon perso se fait éclater. Mais il aurait le budget, il aurait pu en faire des fausses madeleines. C'est délicieux, putain. Faut que je m'entraîne à parler comme une borne d'arcade. Coucou les enfants. KO, player 1, player 2, you win. Rassurez-vous, ils ne sont pas cachés dans ce distributeur. Si j'étais chercheur, je regarde derrière les bornes d'arcade. Par contre, est-ce que assez rapidement, je regarde dans les canalisations d'air. Ça, je sais pas. J'ai pété. Pourquoi j'ai pété? C'est fun ce cache-cache et tout, t'es content d'être là, etc. Mais n'ayant pas vu un bout de la queue d'Yvan, j'ai hâte de le voir passer pour enlever cette merde et terminer bonsoir. À quel moment il y a une gaming room qui est ouverte 24h sur 24, c'est n'importe quoi cet endroit. J'entends une voix. C'est Yvan. Maxime est dans une fausse borne d'arcade. Maxime, je sais que t'es là, ne me mens pas. Ça serait complètement fou qu'il soit dans une fausse borne d'arcade. Oh, j'ai débranché, merde. Oh, je suis effaré. Je suis désolé de te dire ça, Maxime, mais quand j'ai tourné le truc, il y a un trou en fait là. Oui. Et j'ai senti ton odeur, mais genre premier degré. Tu m'étonnes, j'ai fait que péter. Je t'ai trouvé en 2 minutes, mais c'était une très bonne idée. Hein. Tu justifies pas, je suis super content que tu me trouves, ok. Je suis putain de ravi, j'en pouvais plus. Ça pue. Comme ça. Mais quelle horreur. Tu me dégoûtes, frère. Regardez-le là, le crassé. Mais comment t'es rentré là? J'en sais rien. Ils m'ont conçu comme ça, fait des jours. T'as pas vu à l'intro? J'avais une borne arcade dans la gueule. J'ai plusieurs jeux à te proposer. Oh bah avec plaisir. Avec notamment Metal Gear Solid, Starship Trooper, Marco Revolution. J'ai également Waluigi au pays des gros cons. Ça s'écrit avec 3 A. Peut-être qu'il y a quelqu'un en dessous, qu'une seule moyen d'en être sûr. Bon, je te laisse moi, j'ai du monde à trouver. Je peux chercher avec toi? Oh bah avec plaisir, avec plaisir. Non, d'accord. Sortez-moi de là, je suis pas le premier, j'entends Maxime, c'est sûr. Maxime a été trouvé apparemment, j'ai été trouvé après la cachette à 1000 euros, avec ce costume qu'on peut qualifier d'éclater au sol, comme disent les jeunes. On dit encore éclater au sol? Le studio. T'as vu, ça tourne en plus, c'est rigolo. Non, on air. Ça voudrait dire que quelqu'un enregistre un son à cette heure-là? Ah, mais frère, il y a un studio de musique? Oui, il y a un studio de musique. Moi, j'aurais rêvé à voir ça quand j'étais étudiant, mais laisse tomber. Mais j'avoue, c'est stylé quand même. Non. Non? Tu te rappelles, premier épisode, t'avais skippé une pièce comme ça? Il y avait Thomas dedans. T'es en train de me dire que... Thomas? Absolument. Ça se rapproche dangereusement. La salle gaming, elle me fume. Oh là, non mais excuse-moi, mais quoi? À quel moment ce tuyau est authentique? Désolé, mais là... Ça sent premier degré, je sais pas. Il rentre dans une poutre porteuse, genre c'est pas possible. Je sais que c'est Étienne. Il est venu hier soir, Étienne, avec la prod pour être sûr de ses cachets de trucs bidules. Mais frère, à quel moment ça, je vais y croire? Qu'il y soit ou qu'il y soit pas, pour moi c'est hilarant. Le mec, il est du bâtiment, truc bidule, il se dit bricoleur, mes couilles. À quel moment, frère? Désolé, mais là, sors de là. Sors de là. Il t'a vu à travers la vitre, à travers 12 couloirs. Quoi? Pourquoi? Mais frère, c'est trop grillé. Je sais pas tout dire. Ah, tu vois, je t'avais dit. Ah non, t'es même pas dit, non. Oh, j'en peux plus. Regarde ma gueule. À sa défense, j'ai fait 2 ans d'alternance dans le génie climatique. Non. Donc, la gaine, ça me connaît.